Artyom. Artyom. Allez, lève-toi.
cette poche de métro. Faites-la sauter. Utilisez un sabot. On veut pas voir d'éclat. C'est ça. Parfait. Tireur. Poche de métro. 11h. Sabot. Cible verrouillée. Sabot prêt. Feu. Merde. On ira pas plus loin, les gars.
général ici. Thank you.
Tu ne l'as pas trouvé, mon cœur. Ce n'est pas grave. Tu as fait de ton mieux. Tu sais que je t'attendrai. Je veux que tu sois là quand je... Tu es là. Merci. J'ai réussi à te trouver. Je sais pas comment. Tchalko, Artyom. J'allais être à nouveau tout seul. Debout, vite! Il dort, mais il faut le laisser tranquille. À partir d'ici, c'est tout droit. Il a essayé de m'apprendre à conduire, mais...
évanouie d'un coup.
doucement. Je ne peux plus. Artyom, tu m'entends? Soyez prudents tous. Il a été salement irradié. Et j'ai même pas pu faire de relevé sur le corps du colonel, tellement le compteur s'appelle. Tiens bon, Artyom. On va te remettre d'aplomb. Ça va arriver. Concentre-toi, Katia. Qu'est-ce qu'on doit faire, Lino? Il faut lui donner autant de sang que possible. C'est parti pour la transfusion, alors. Ça va le sauver? Ça va. Le maintenir en vie un peu plus longtemps. Tant qu'il lui aura vu. Il est de quel groupe sanguin? AB positif. Un receveur universel. Rassemblez tout le monde ici. On dort pas, Artyom. C'est pas le moment de dormir. Tiens, salut, Artyom. Et si on faisait une balade? Rester sous terre, c'est d'un ennui. Ça suffit, Stéphane. Tu ne peux pas en donner plus. Regarde! Il est réveillé! Tu m'entends, Artyom? Nous claque pas entre les doigts, t'as pas intérêt! T'as toute une vie qui t'attend! Avec des gamins! Alors bats-toi pour ça, bats-toi! Pourquoi tu t'es arrêté? Tu n'as pas toujours rêvé d'aller dehors? C'est pas toi qui as ouvert le sas des jardins botaniques? Cet endroit est tellement mieux. Tu n'es pas arrivé à destination, Artyom. Pas encore. On en est encore loin. C'est pas ta station, c'est qu'une impasse. Pas ton objectif. Tu m'entends? Donne-moi ta main. Tu es brûlant. Bon, j'espère qu'un peu de sang de vieillard calmera ton côté tête brûlée. Allez, avec toi. Très bien, mon pote. On va remettre un peu de sang de qualité dans ton petit corps. Avec ça, tu seras sur pied en un rien de temps. Ou je bouffe mes propres godasses. J'ai enfin l'impression d'avoir trouvé ma place. Je suis plus un étranger. C'est toi qui nous unis, Artyom. Il faut que tu survives. Pour notre bien à tous. Montons jusqu'au sommet. Écoute-moi, Artyom. T'as une femme et des enfants à lui faire. Et ma fiancée est encore à Moscou. Il faut encore qu'on foute le bordel dans le métro, alors t'as pas intérêt à crever ici. Regarde, Artyom. Le lac Baïkal. Ça donne à croire qu'une autre vie est possible. Qu'il existe autre chose que la foire d'empoigne du métro. Et il faut que je te dise, tu avais raison, Artyom. Raison de vouloir nous faire sortir. Nous amener ici. Et moi, comme un vieux con, j'avais peur, c'est tout. Peur de la vie. Je le comprends maintenant. Regarde, il sourit. Il sourit dans son sommeil. On dirait même qu'il dit quelque chose. C'est la fièvre. Il est brûlant. Ce monde vaut la peine de tout abandonner, Artyom. Tu as toujours été prêt. Et moi, je tenais trop à ma position dans cette maudite jungle. Je suis désolé. Désolé pour ce qui est arrivé à Anna. Désolé de t'avoir fait porter le chapeau. Si j'avais pas rebattu les oreilles à tout le monde à propos des forces d'occupation, elle ne serait jamais tombée là-bas. Je t'en supplie, ne meurs pas. Reste avec moi, je t'en prie. Je ne veux pas d'une vie sans toi à mes côtés. Tu m'entends? Regarde-moi, Artyom. Regarde-moi, je t'en prie. Oui. À propos d'Anna, tu vas devoir veiller sur elle, maintenant que moi je ne peux plus. Peu importe que vous alliez jusqu'à cet océan, mais reste avec elle.
Je l'empêche d'entrer. Elle tient à peine debout, mais elle est prête à lui donner tout son sang. Au moins, le remède a été efficace. C'est un miracle. J'ai une fille. Et j'aurais adoré avoir un fils aussi. Un fils bien têtu, comme moi. Comme toi. Cet endroit me plaît beaucoup. C'est tellement sain. J'aimerais bien rester ici pour toujours. Tu pourrais faire ça pour moi, hein? Et le plus important, mon heure est venue, Artyom. C'est ton tour à présent. Monte au créneau. Dirige-les. Mais n'oublie pas que j'ai créé l'ordre pour sauver des gens. Pour sauver tout le monde, Artyom. Ne l'oublie pas parce que moi, je l'ai un peu oublié. Adieu, commandant. C'est l'heure de se réveiller. Allez, lève-toi et marche, fiston. La fièvre se calme. Je crois que son état s'améliore. Maintenant, il faut qu'il se repose. Toi aussi, Anna. J'ai bon espoir. Nous avons trouvé l'endroit que j'ai vu en rêve. Cette colline sur les berges du lac Baïkal où Melnik m'a emmené. Un endroit sain, comme il l'a dit. Rien n'est irradié par ici. Nous avons trouvé un foyer. Un foyer au pied d'une colline qui surplombe un lac. Un foyer où élever nos enfants qui ne naîtront pas dans l'obscurité humide des tunnels, mais sous un ciel bleu, illuminé par le soleil. Mesdames et messieurs, en tant que seul gradé, je propose une motion confiant la charge de commandant de l'ordre à Artyom. Adopté à l'unanimité. Alors, quels sont vos ordres, chef? Je dirais qu'on rentre tous chez nous. Mais ce foyer me semble trop grand pour nous seuls. Vous savez, le colonel m'a dit un jour qu'il avait créé l'ordre pour sauver des gens. Pour sauver tout le monde. Alors je crois qu'il est temps de nous acquitter de cette mission.